Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Production Line. Alors aujourd'hui, on va continuer ce qu'on était en train de faire hein, l'autre fois. Ce qui veut dire. Alors. Ici, on va devoir. Je crois qu'on va doubler la charge. Enfin, tripler du coup. On va. Ouais, on va augmenter ça. Donc c'était le bleu, hein, c'est ça. Et montage équipement, ça c'est de son côté. Voilà. Ok. Siège. Comme ça. Alors, pare-brise, c'est bon. Climatisation. Tableau de bord. Et on est bon. Alors, on va connecter le tout comme ça. Ils sont contents parce que ça commence déjà presque à râler. Hein, vous avez vu ça? Je mets, c'est déjà en train de dire ouais, non, mais ça va pas. Voilà. Plus de voitures qu'il n'y a d'acheteurs. D'accord. En attendant, on n'a plus aucun stock. Merci encore hein, pour vos commentaires. C'est mais grâce à ça quoi que j'ai réussi. La berline là, je crois que je peux même un peu augmenter le prix. Elle se vend du tonnerre. On peut augmenter la vitesse. Hein. Amélioration manquante. Enfin. Du coup, j'espère que là. Ouais. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Voilà. Ok, on est bon. Nos véhicules se vendent. Ici, la campagne va se terminer. On va voir si on aura besoin de vendre, enfin de faire encore de la pub ou pas. Mais je crois bien. Hein. Notre vis biocarnique 0,68, ouais, c'est rien du tout. Et là, on doit aussi augmenter du coup. Semble pas assez cher. La compacte, sérieux? Ok, on augmente un peu. Ok, ici, on n'a plus de recherche. On pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher? Ah oui, c'était ici tout des. Une hybride. Oh, on le tente ou quoi? Hybride, ça peut être sympa. Et je pourrais carrément. Enfin, je devrais encore augmenter ici hein, ma production là. Parce que je me suis un peu cantonné à ça et on produit peut-être un peu limite. Mais l'idée c'est que donc ça on va le déplacer ici pour agrandir ça, pour encore agrandir le séchage. Même si c'est ici que ça a l'air de ralentir un peu maintenant. Donc ça on va pouvoir mettre. Là, je mettrais bien ça du coup comme ça. Hop, on va juste faire ça quelques secondes, voilà. Comme ça, tout ça. Zou, on va les déplacer déjà maintenant. Et comme ça, tout ce qu'il y a ici. Alors, on va le faire passer. Qu'est-ce qu'il y a avant encore? Il y a toute une production ici. On va tout faire passer pour le moment comme ça.
On va connecter et les convoyeurs. Ça, on va supprimer. Voilà. Comme ça nous fait un peu plus d'espace. Maintenant que je sais l'espace que ça a réellement besoin. Produire plus de SUV, mais on en produit déjà beaucoup. Je mets 4, ça va être beaucoup. Ok, écoutez, on va augmenter ça, on va suivre ce qu'ils nous disent. Waouh! Ah ouais, ici, c'est un peu le bazar, hein. Ça consomme beaucoup, mais au moins on a accéléré tout un processus ici, on l'a accéléré. Donc ça c'est une super nouvelle. C'est vrai qu'on pourrait acheter cette zone-là. On gagne pas mal d'argent, on va faire ça. Comme ça. Alors la question, c'est est-ce que c'est plus intéressant de faire des processus comme j'ai fait, genre l'un derrière l'autre? Ou à chaque fois faire revenir au milieu pour le faire attendre. Peut-être que ça dépend, une 44, une 42, 2,10. Donc il y aura toujours un tout petit peu d'attente normalement là. Mais ça va. Voilà, je peux très bien. Comme ça devrait le faire. Donc on a ça, puis on a ça. Puis on a ça. Alors on va juste un tout petit peu. Voilà. Ils vont pas être très contents, je sais, mais bon. Encore une fois, c'est momentané, hein, donc ça va. Et je pourrais même encore en mettre un s'il faut là. Donc ça, c'est parfait. Ah, j'avais peut-être laissé un espace parce que le montage roue. Que. Ah, voilà, oui, c'est ça. Il y a peut-être. Ah non. Montage pneu, ok, donc. Ok, parfait. Donc ça, hop. On peut baquer comme ça. Et on peut lui dire. Bon, vous savez quoi, on va supprimer lui, hein. Et on va lui dire salut, tu peux aller comme ça. Et comme ça. Voilà, on va connecter un acheminement ici. Et les convoyeurs. Ok, normalement, ça devrait être bon. Est-ce qu'on doit faire des améliorations? Apparemment pas.
Ok, parfait. Ok, donc on va avoir tous les véhicules ici. Montage. Ok, donc motorisation hybride, on peut le faire. Donc on peut... Attendez. Donc tout ce que je vois là, ça n'existe pas encore. On pourrait faire cette recherche-là, mais je ferais bien quand même un petit processus. Genre, prioritiser ici. On peut dire ça comme file d'attente. On peut ajouter ça aussi. Voilà, ça nous va en faire quelques-uns en attendant. Comme ça, on peut continuer toujours à faire nos petites choses ici. Alors, c'est vrai que notre véhicule, il y a plusieurs choses. De 1, on va faire de la pub. On a assez pour faire de la pub, donc ça, c'est cool. Maintenant, alors vous avez vu, hein, notre visibilité organique a quand même pas mal augmenté. On n'a pas une si grande notoriété, mais ça augmente bien, donc ça, c'est cool. On a beaucoup d'argent, donc ça c'est vachement bien. Mais on va lancer ça. Mais j'ai envie de faire un nouveau véhicule. J'ai envie de faire un véhicule hybride. Donc on va créer un modèle. Est-ce qu'on ferait une sportive hybride? On va augmenter les prix. Mais ça pourrait être génial. Hein. On va mettre les trucs genre méga trash. Enfin, méga. On va remplir à fond, quoi. Voilà. Un style spécial. Ici. High-tech. Parfait. Et un toit ouvrant. Ah, j'ai pas encore le toit ouvrant. Okay, on peut ne pas encore le mettre pour le moment. Siège, on peut mettre des sièges spéciaux. En cuir blanc, cuir rouge. Parfait, cuir rouge. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir les couleurs de chaque modèle pour les activer et désactiver à l'aide de ces icônes. Non, ça va. Ok, attendez, parce que... Hop. Ok, on va lancer notre sportive. Ça sera cool. Hop, la sportive, ajouter une nouvelle entrée. Voilà. On se lance dans un nouveau type de véhicule, ce sera bien, bien, bien. Ok. Donc ici, ça va. Alors apparemment, le problème, c'est fort ralenti ici, hein. Alors je vois que ça, par exemple, vous voyez, montage échappement, c'est genre tout petit. Je le mettrais bien ici le long. Ça et comme ça. L'idée, c'est que on va essayer vraiment d'optimiser à fond l'espace qu'on a. Vu que j'avais pas bien compris au début. Il faut qu'on gagne du temps maintenant, quoi. Même chose un peu ici, hein. 1, 2, tout ça, on peut encore mettre. On pourrait très bien mettre ça là, quoi. Je vais pour le moment laisser comme ça. On ne sait jamais. Ah oui.
faire ça, on va mettre... la cheminée vite fait des choses. Voilà. Parce que le séchage maintenant a l'air d'être assez rapide. Le montage, toi, prend du temps. Le montage, toi, prend du temps et aussi les panneaux de portière. Et ça, on ne s'est pas amélioré, hein. Non. Donc c'est bien, on va prioriser un peu les choses ici. Alors vous voyez, on a ici un énorme espace là qu'on pourrait vraiment exploiter, hein, qui n'est pas du tout exploité, qu'on devrait exploiter. Que j'ai tout condensé ici, mais en fait qui au final ne sert à rien de tout condenser. Donc... On pourrait mettre tout le séchage vers là-bas. On a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'argent. Et on a une publicité qui est lancée, ouais, ok. J'aimerais bien voir nos, mes gros véhicules. Hein. Caractéristiques enlevées, direction assistée. Et aide au stationnement. Vous voyez, genre ça, qu'il ait enlevé ça, mais comment est-ce que je règle ça? Ah, importation. Ah, mais c'est nouveau ça. Préféré local. J'avais pas vu qu'il y avait ça, mais c'est génial. Ok, bon, ben voilà. J'ai trouvé une réponse à mes questions que je me posais l'autre fois. On va encore réaccélérer le tout. Donc c'est très lent. En fait, ça on devrait augmenter. Hein. Parce que vous avez vu le temps qu'on prend et qu'on perd ici. Ok, donc je crois que le séchage, on va le faire là-bas. Comment est-ce que je vais produire? Comment est-ce que je vais faire ça? Est-ce que... Normalement, je crois que quand je déplace ou quand je vends, c'est pas trop grave. C'est quand on va commencer par déplacer tout ça. Parce que clairement, ici, on perd déjà un peu de place. Alors, ça va être Tetris, hein, maintenant. C'est vraiment ça en plus. OK. Parce que je vais tout connecter parce que je ne vois rien. Ok. Attends, on parie que... C'est déjà bien. C'est vraiment Tetris, quoi. Ok. Importation préférée locale.
Paramètres d'approvisionnement de l'usine, préféré local. Voilà, ce sera plus simple. On va se le dire. Ok, donc on va avoir. Est-ce qu'on a déjà des futurs véhicules, des futures sportives? Ça, yes. Une future sportive, ça aussi. J'ai hâte de voir. Parce que là, on produit pas assez. Hein. Et je crois qu'on verra ça au prochain épisode. On fera les modifications au prochain épisode. Comme ça, on pourra... Ouais, si ça se passe bien. Comme ça, on pourra encore mieux optimiser, encore plus produire. On pourra carrément presque acheter ici une zone, ce qui pourrait être intéressant. On a l'argent. Alors... Vous avez vu qu'on stagne quand même pas mal niveau argent. Mais ça va. Bénéfice. Moins 12 quand même. Ah ouais. Depuis toujours. Ah, sur les 24 dernières heures. On est quand même... C'est fou ça. Pourtant, on est partout en positif. Ok, bah écoutez, on va voir. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!